Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vient découvrir une salle en Suisse et je suis accompagné de Stefano qui va se présenter. Stefano, tu es gérant de la salle. Exactement, c'est les salles Planet Climbing. D'accord. Je suis le fondateur et gérant et propriétaire des salles Planet en Suisse à Genève. Donc ici, on est où exactement? Parce que Genève, c'est assez grand. On est limitrophe avec la Haute-Savoie, mais où c'est qu'on se situe? Dans quelle commune à peu près? Alors là, on est dans la commune de Plan-les-Ouates. Stefano, quand est-ce que la salle a été ouverte pour la première fois? Alors cette salle a été ouverte en fin juin 2023. Combien de salariés à Planet Climbing? Alors nous avons une quarantaine de salariés sur les deux D'accord. salles. Sur cette salle-ci, c'est autour d'une quinzaine. Alors cela inclut bien sûr les salariés qui ont petite heure, prof yoga, petits cours, D'accord. choses comme ça. D'accord. Stefano, combien y a-t-il d'ouvreurs au niveau de Planet Climbing? Alors nous avons trois ouvreurs. D'accord. En fixe, qui se partagent les deux salles. Un chef ouvreur qui est chef ouvreur des deux salles en même temps. D'accord. Et après les séances, c'est aussi pour donner un maximum d'heures, de prioriser les heures. On veut que nos ouvreurs soient résidents à la salle. On ne se partage pas des ouvreurs avec d'autres salles. D'accord. Donc en fait, oui, vous avez l'exclusivité de vos ouvreurs. Ça, pour nous, c'est très important. On D'accord. essaie de maximiser ça vraiment. Pour l'instant, c'est comme ça et c'est la politique qu'on applique. Qui a créé Planet? Alors les salles Planet ont été créées par un associé et moi-même en 2020, première salle, et maintenant celle-là de Plan-les-Ouates. Dans quel but, Stefano? Alors les salles Planet ont été créées parce que pour la petite histoire, moi je voyageais en étant basé à Genève dans les années et il n'y avait toujours pas de salle d'escalade à ces temps-là. Donc on a créé la première salle en 2020 et là celle-là à Plan-les-Ouates maintenant en 2023. Maintenant il y a beaucoup de salles qui se font à Genève mais ce n'était pas le cas et de toute manière dans cette zone du canton, Plan-les-Ouates, cette région, il n'y avait pauvre. Pas de salle. Ouais. Ouais, c'était un peu pauvre. Donc aussi pour localisation, pour les autres concurrents et tout, nous pensons que cette zone, c'est vraiment une bonne cible pour le développement. Est-ce que c'est une chaîne, une salle familiale ou autre? Alors Planet naît comme une salle familiale. D'accord. Et c'est maintenant une mini-chaîne parce qu'on a deux salles. Ça a grandi, c'est plus compliqué de garder l'ambiance familiale, mais ça c'est notre but, de garder au moins une ambiance proche du client et amicale, si pas familiale, sur l'ensemble des deux salles. Avez-vous des partenariats? Oui, effectivement. Nous avons un partenariat principal avec Blue Ice. Avec l'entreprise, on partage une certaine vue sur l'outdoor, sur l'expérience outdoor qu'on essaye aussi de soutenir avec les salles et les activités de la salle. Donc, ouais, Blue Ice, c'est un gros morceau, hein. C'est hyper connu comme marque. Hein. Ouais, exactement. Dans la région, ça se connaît de plus en plus, aussi en Suisse. Et donc, on est très satisfait de cette collaboration et de ce qu'on peut donner l'un l'autre. Stefano, tout à l'heure, tu nous as dit qu'en fait, la salle était en Suisse, bien sûr, à Plan-les-Ouates, dans le canton de Genève. Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'on a un lieu de stationnement? Est-ce que c'est accessible avec un parking par exemple? Et est-ce qu'il y a les transports publics qui arrivent dans le coin? Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, il y a un gros parking public, hein, d'accord, de tout le complexe des bâtiments ici au sous-sol où nous on donne un ticket pour avoir une heure gratuite supplémentaire, donc c'est 2 heures gratuites. D'accord. Et après, il y a le tram 15 de la ligne de Genève, c'est un des trams principaux de Genève qui s'arrête jusqu'à 50 mètres ouais. Ici devant. Ça c'est le luxe, vous avez les transports pour venir directement absolument. À la salle, il n'y a rien de plus simple, cool. Hein, c'est vraiment cool. Super. Ça aussi parce que la ligne 15 vraiment traverse toute la ville d'un côté à l'autre. C'est une des lignes principales, donc ça s'arrête vraiment proche. Par contre, j'ai mon petit doigt qui m'a dit qu'il allait y avoir un nouveau quartier qui allait se faire juste à côté. C'est le quartier des Sherpines. C'est ça. Sherpines. Pardon? Sherpines. Excusez-moi, Sherpines. Je ne parle pas encore tout à fait suisse, hein, mais bon, Stéphane est là pour me rectifier. Sherpines, et puis donc ça va créer un potentiel supplémentaire pour avoir des nouveaux grimpeurs en fait, hein, qui vont venir là, ça, je pense. Absolument. Alors toute la zone, c'est en fort développement au niveau des bureaux, au niveau des entreprises et au niveau aussi des logements avec ce nouveau quartier qui va se faire d'ici 2030. Avec, il y a des différentes étapes de la ville qui sont prévues. À la fin de toute l'histoire, ils sont prévus autour de 10 000 personnes. Ah oui, quand même. En plus, ouais. Donc, très proche d'ici. Ouais, une grosse population qui va arriver. Absolument. Effectivement, pour le tram 15, comme on disait, il arrive maintenant ici. C'est son terminus provisoire. Exactement, exactement. C'est prévu la prolongation jusqu'à Saint-Julien dans les prochains 2-3 années, il me paraît. Voilà, donc Saint-Julien en Genevois, pour ceux qui ne sont pas de la région, c'est juste limitrophe, c'est sur Exactement. France. Et donc là, le tram va passer la frontière, donc ça va être une ouverture pour les personnes de Saint-Julien pour pouvoir venir et accéder à la salle. Absolument, plus facilement. Qui déjà viennent et accèdent, ils le font déjà, mais voilà, avec le tram, ça sera. Et là,
sans voiture. Plus facile, sans voiture, tout connecté, donc c'est vraiment un plus. Au niveau des horaires et puis des jours d'ouverture, comment ça se passe, Stéphano? On est ouvert 7 jours sur 7, d'accord, en semaine de 10h à 22h, le week-end de 10h à 21h. On peut grimper tout le temps et toute l'année. Il y a des fermetures exceptionnelles, Noël? Il y a Noël et le Nouvel An, c'est le seul 2 jours de fermeture parfait, toute l'année. Ouais. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que Planète est sur les réseaux sociaux? Planète est sur Instagram principalement. D'accord. Il y a une page Facebook rattachée à un des comptes Insta. On a beaucoup de présence sur Insta, on essaie d'envoyer beaucoup de matériel en semaine. Et beaucoup d'infos. Beaucoup d'infos. J'ai vu que vous organisiez le jeudi des espèces d'apéro. Oui, c'est ça. On a le jeudi apéro, il s'appelle. D'accord. C'est un jour, normalement le jeudi, c'est où les étudiants à Genève, ils sortent, ils font des activités. Donc on a un pré-étudiant qui continue tout le long de la journée et pas seulement l'après-midi. D'accord. Et une formule apéro pour le soir pour des petites pizzas et une bière. Elle a un pizza-bière. Je rebondis sur quelque chose. Est-ce que vous avez un service de restauration? Est-ce qu'il y a un restaurant à Planète ici à Plan-les-Ouates? Oui. J'ai vu qu'il y avait le bar, on pouvait se rafraîchir, etc. Quelques petites battes de fruits, etc. Mais est-ce qu'il y a une restauration un peu plus on s'assoit, on mange? Alors absolument, on vient d'ouvrir le coin resto il y a une semaine. Okay. C'est tout récent, mais il y a Planète Kitchen qui est ouvert les soirs maintenant. D'accord. Et après Noël sera ouvert à midi et soir avec de la vraie restauration locale, produits locaux, surtout suisse, de la région en tout cas. On n'est pas obligé de venir grimper, on peut venir au resto? Est-ce que c'est on peut venir au resto sans grimper? Absolument. Surtout à midi, je pense que ça sera surtout ça, la clientèle de la partie restauration. D'accord. Le soir, c'est plutôt la clientèle escalade qui après reste manger au coin. Ah bah c'est super. En restauration. Est-ce que vous avez du matériel de location? Nous avons des chaussons de location de tout numéro, enfants, adultes. Toutes les pointures? Toutes les pointures, effectivement. Juste une question, est-ce qu'on peut faire ressembler ces chaussons d'escalade à Planète? Oui, on a un service de ressemelage pour les clients qui a des rotations chaque 2 semaines et ça revient plus ou moins au mois environ. Stéphano, on est à l'emplacement détente. Là pour le grimpeur, vous êtes au petit soin pour les grimpeurs. Bar, jus d'orange, c'est vraiment sympa. Donc on a tout ce qu'il faut. On peut se reposer, on peut laisser un petit peu les bouteilles se dégonfler. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce que tu proposes un petit peu au bar? Alors effectivement, au bar, on essaye de mettre en avant tout ce que c'est produits locaux, même les jus. Les bières sont des bières locales artisanales, les jus sont des jus locaux suisses, et tous les autres produits sont avec cet esprit vraiment très soutenable et local. À la tienne? Bah voilà. À la vôtre? Stéphano, on se trouve où ici? On se trouve sur la petite table enfance. Ah ouais, donc voilà. Là ici, on peut dessiner. Ouais, voilà, là on dessine une planète. Sérieusement, c'est pour qui ce coin? Oui, effectivement, on a un petit coin pour enfants se relaxer et faire des petits jeux pendant que les parents grimpent. S'ils sont pas dans des cours, s'ils sont pas dans des activités enfants que nous avons, bah, ils peuvent profiter de faire des petits jeux, faire des petits trains, dessiner. C'est vraiment très sympa, ça me fait penser à un concept que j'avais vu en Italie, pour la petite histoire, où il y avait un restaurant qui proposait une petite salle d'animation pour les enfants. Mm-hmm. Et comme ça, les parents pouvaient manger tranquille au restaurant. C'est un peu le même concept où les enfants peuvent être dans leur petit coin enfant et puis les parents grimper tranquillou. Ben oui, exactement. Ils ont la vue sur la salle. C'est plus ou moins dans les lieux principaux de la salle. Ça donne quand même ce concept d'ouverture sur la salle toujours. Et en plus, ils sont en sécurité parce qu'ils sont à l'extérieur des tapis. Oui, donc exactement. Là, ils peuvent pas de base, on voit qu'ils courent pas. Ils sont quand même sur cet endroit. C'est quand même pour bien, ça pose cette distance sans être distant. C'est vraiment super. Stéphano, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le système de cotation de Planète? Comme vous pouvez voir sur le tableau, on a un système de cotation très simple. On a décidé d'aller sur des numéros vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on remplaçait les couleurs, une fois d'accord, on avait aussi les couleurs qui ça, se fait dans la région couramment. On a décidé de changer à ça. Nous pensons que c'est plus clair. Ça permet aussi de jouer un peu avec les noms. Couverte, en fait, c'est très facile. On est quoi, dans du degré 2 à peu près? Oui, exactement. Dans le 1 et le 2, on est vraiment sur, je dis, c'est des escaliers. C'est des escaliers, c'est vraiment pour toute personne doit pouvoir grimper, rejoindre le sommet du mur. D'accord. Mais vraiment toute personne. Débutant, on est plus dans du 3-4, ça commence à grimper. D'accord. Ça commence à avoir le corps qui bouge un peu. D'accord. Des prises un peu plus, des préhensions. Okay. Ça reste du facile.
avancé. Donc là, c'est un petit peu plus, on est dans du degré 5, dans du degré 6. Oui, exact. Dans le 5, le 6, ça commence à grimper plus, c'est-à-dire avec l'entraînement. 6, ça, c'est atteignable là, avec un petit entraînement. 7, 8, là, c'est carrément interstellaire. Et puis, au-dessus, c'est extra-galactique. J'aime bien ce... J'aime bien un petit peu ces termes-là, c'est bien. Et le 7, le 8, c'est toute cote en fait, c'est toute cote du très dur. En variant, ça peut être l'équivalent de bloc pour être des cotes 8A plus. D'accord. Et 7C8A. Stéphano, on est où ici? C'est un couloir qui est immense, mais incroyable. Ça fait au moins 50 mètres de long. Où c'est qu'on se trouve là? Alors là, on est dans le côté de la salle qui est vestiaire, douche, sauna et entraînement. Donc là, je vois que vous avez des vestiaires codés, donc on peut mettre nos affaires. Bon, c'est vrai que c'est pas dans la mentalité du grimpeur de venir au vestiaire et poser son sac. Je parle pour moi, on a plus l'habitude de poser nos affaires au pied des voies. Là, c'est vraiment hyper qualitatif. Tu essayes de mettre un petit peu la nouvelle clientèle, à les inciter à prendre des vestiaires? Oui, effectivement. Alors nous, c'est ce qu'on a observé. La clientèle escalade, comme toi tu dis, il a la tendance à déposer ses affaires proche des blocs. Pas tous, mais certains. Donc nous, on essaie de, dans nos salles, construire des lieux de vestiaires qui sont qualitatifs, qui ont de la qualité et de l'espace pour motiver les gens à les utiliser. C'est ce qu'on fait le travail aussi en réception avec la nouvelle clientèle pour libérer la salle le plus possible, le coin bar, restauration qui est dans la salle. Le point de vue sécurité, c'est mieux aussi. Voilà. Pour après donner, quand la salle vient pleine, ça donne plus d'espace, ça donne plus propre et les vestiaires sont jolis, il y a de l'espace qui est bien fait. Donc on essaie de faire au mieux ça. Voilà. Faut profiter de ces espaces. C'est immense ici, Stéphano. Ici, on est où? Alors ici, on est dans la salle yoga. D'accord. Et ben voilà, comme on peut voir, on a une salle yoga très lumineuse avec les fenêtres sur tous les côtés. Sympa. Et des dessins aussi faits à la main par des amis à nous. On essaye aussi dans les locaux de yoga de promouvoir cette qualité. Et aussi des activités qui vont avec, mais bien sûr avoir des lieux qui transmettent une certaine énergie. Là, il y a des grimpeurs qui viennent faire du yoga ou c'est une clientèle à part? Alors c'est un peu les deux. On appelle yoga, mais c'est aussi une salle de stretching. Il y a certains clients qui font leur séance et après, comme ils voient la salle qui est jolie, ils l'utilisent pour faire leur stretching après séance. D'accord. Mais nous avons aussi des cours de yoga planifiés le jour de la semaine. D'accord. C'est pour la clientèle plus bureau qui viennent juste faire du yoga. On a de la clientèle qui vient juste pour les cours yoga. D'accord. Stéphano, est-ce qu'il y a des cours pour les enfants, les adultes, débutants? Absolument, oui. Cours d'escalade, je parle cours d'escalade, bien sûr. Oui, absolument. En tant que cours d'escalade pour les enfants, on a une offre très variée. Ça part à tout âge. D'accord. Ça part des très petits. Très petit, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cours mini bloc. Ah, baby, alors. C'est un baby de 2 ans. D'accord. Ça commence à faire de la motricité et faire des petits mouvements d'escalade très basiques, aidés avec les parents. C'est des cours qu'ils ont fait à enfants et parents. D'accord. Participatif alors. Exactement. Après, ça passe sur des cours qu'on appelle jeu escalade. Ouais. L'âge de 5 à 8 ou 5 à 12. C'est nos cours standards qui sont le plus nombreux. Là-dedans, on différencie un peu les niveaux. Niveau avancé, si c'est des enfants qui font les cours avec nous depuis un certain moment. D'accord. Après, on a les cours qui sont spécifiques team, donc c'est les enfants qui font des compétitions régionales. Ça, c'est ils sont à partir de 9 ans et ils ont une préparation physique et 2 fois par semaine. Tu proposes aussi pendant les vacances scolaires des camps, des choses comme ça? On fait aussi effectivement des camps escalade à la salle, bien sûr, escalade à la salle, ouais, qui sont des camps multi-activités. Donc c'est principalement à la salle, mais c'est aussi des activités extra-salle qui sont proposées dans cette semaine. Ça peut être du yoga enfant, ça peut être du multi-activité au lac l'été. D'accord. Ça peut être... Ah oui, même à l'extérieur. Oui, absolument. Même à l'extérieur. En extérieur aussi, parce qu'on a le lac à Genève, donc oui, on utilise cette opportunité, mais aussi en outdoor, un peu plus côté escalade aussi. Au niveau des grimpeurs qui sont, qui grimpent régulièrement, puis qui sont quand même au top, est-ce que pour eux, ils peuvent se perfectionner un petit peu? Est-ce qu'ils peuvent aller plus loin? Comme on voit ici, on a une zone d'entraînement muscu, plutôt orientée muscu, qui va se coupler à la zone d'entraînement plutôt escalade, donc kilterboard, moonboard et mur d'entraînement. Ok. Et tous les pannes et les poutres aussi, bien sûr, pour établir un parcours d'amélioration pour les grimpeurs de pointe. Ouais, c'est donc tout le système de la préparation niveau, physique exactement, et d'objectif. Ouais. Mais aussi, faut pas oublier qu'on est en ville, donc il y a toute une clientèle ville qui veut juste s'améliorer en faisant une activité physique qui est bien pour elle. D'accord. Donc ce soir entre midi et 2 ou alors le soir après le travail. Exactement, on a des cours entre midi et 2 et des cours le soir. Je me rends compte que Planète est vraiment très très large.
Point de vue activité, c'est la découverte pour moi parce que c'est rare d'avoir une salle vraiment très ouverte en termes de propositions d'activité, très large. C'est vraiment sympa. Toutes ces activités font de la logistique derrière, mm-hmm. évidemment, ah chose oui, qui n'est pas toujours très simple. Mm-hmm. Ça permet de maximiser au niveau de l'offre clientèle, évidemment. Bien sûr. C'est-à-dire, chaque personne peut trouver quelque chose à faire dans la salle d'escalade. C'est pas que le grimpeur chevronné. Oui, oui, bien sûr. Ou le très débutant. Il y en a pour tout le monde et aussi des caractéristiques de la clientèle. Ce que tu nous proposes après une bonne séance d'escalade, c'est de passer au sauna. Exactement. Ici, nous sommes dans le sauna qui est un sauna lumineux et spacieux. Moi, je le vois de l'intérieur, il est super beau. Je pense qu'on vous fera voir quelques images bien détaillées, mais il est vraiment magnifique. Ben, merci pour ces appréciations. C'est un sauna sec, c'est pas un sauna humide. Ouais. Ça aussi pour une question d'hygiène, on a vu des saunas dans des autres situations qui peuvent avoir des problématiques si c'est le sauna humide. Donc nous pensons que nous avons des très bons retours sur l'utilisation de ce sauna. À partir de quel âge tu c'est limité à 12 ans. 12 ans, d'accord, ok. Bien sûr, avec supervision d'adulte. C'est bien sûr. C'est 12 ans avec les parents. C'est un sauna mixte. Hein. C'est un sauna mixte qui est accessible depuis les deux vestiaires. Oui. D'accord, parce que les deux vestiaires en fait se réunissent tac au niveau du sauna. Exactement. Et ben c'est super. Eh bien Stefano, je te remercie beaucoup de nous avoir invités à Planète. C'est vraiment une belle planète, c'est vraiment grand. Merci de nous avoir permis de tester aussi un petit peu la salle. Certes, on n'a pas tout fait, on n'a pas testé le sauna, on n'a pas testé certaines choses, mais c'est vraiment fantastique. On reviendra bien sûr encore une fois parce que ça sera un plaisir. En une journée, c'est difficile de passer sur tous les blocs, hein, sur toutes les voies. C'est vraiment grandiose. Juste pour info, moi je la trouve grande cette salle. Elle fait à peu près quelle superficie ? Nous avons autour de 1500 m². 1500 m² sur la surface. Oui. Donc voilà, ça répond bien à ma question. Elle est vraiment immense. Eh bien écoute, merci encore Stefano. Puis on se dit à la prochaine. Hein. Bah, merci à Evolution pour nous avoir contactés, avoir fait la visite. C'est un plaisir. Et cet plaisir. Échange de vidéos qui c'était quand même très sympa. Donc à la prochaine. Ouais, à la prochaine. À la prochaine. Bah, merci beaucoup.
Sun veut que je fasse un jeté. Donc c'est un mur où on peut progresser pour les jetés. Voilà. Donc on va prendre la cotation la plus facile, hein. La 1. Oh, voilà. Oui. Bonne sensation. Bon bah après, à vous de choisir les cotations en fonction de votre niveau. Bon, moi j'ai eu un bon ressenti, hein, franchement, sur la salle. Qualité suisse, c'est nickel. Très bonne ouverture. Moi j'ai trouvé c'est vraiment une salle pour les ouvertures pour les grimpeurs. Technique. Beaucoup de technique. Moi ce que j'ai ressenti, c'est y a beaucoup d'ouvertures qui sont inspirées, j'imagine, de blocs extérieurs. Quand on commence avec les fesses par terre, et là c'est boum, on rentre dans le vif du sujet direct. C'est franchement intéressant. Il y a une belle partie des verres, je trouve aussi, juste à notre droite là, qu'on a filmé tout le long, on vous a montré dans la vidéo. Il y a plein de petits détails qui font que cette salle est vraiment complète. Alors on a la Kilterboard. On a la moonboard et un mur, un pan Haribo, une sorte de pan Haribo, ouais. Plein de prises où tu peux. Ce qui est sympa, c'est quand tu es bien, quand t'es bien cuit, tu passes à la douche, puis après tu passes au sauna. Ah oui, il y a ça aussi. Ou sauna, sauna et douche. Enfin, tu fais douche, sauna, sauna, douche. Tu fais ce que tu veux. Dans l'ordre que tu veux. Ça c'est bien, ouais. Puis on peut se restaurer sur place, c'est sympa aussi. Le coin enfant. C'est vraiment une salle. Petite salle à part pour les enfants, vraiment très 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 sympa. Ouais. Et le petit coin dessinage là pour les babies là. Oui, vraiment les petits là. Ouais, ouais, pour c'est les bien. Tout petits, tu comme peux grimper, ça. Je vais t'arrêter sur ton gamin. Voilà, papa, maman peuvent grimper tranquille. Ouais, 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 c'est bien. Bah, t'as pas le gamin dans les pattes. Merci encore à Stéphano de nous avoir accueillis. Bienvenue dedans. Que dire de plus, venez tester cette salle. Ouais, en fait. En plus, vous avez les transports publics qui viennent. Vous avez les parkings à disposition, voilà. Vous avez tout ce que vous voulez. Petit plus pour les ouvertures, c'est pas morpho du tout. Moi qui fais 1m57, j'arrive à passer tout dans mon niveau, bien sûr, où là j'ai grimpé maximum du 6 aujourd'hui. Du coup, ça m'a fait plaisir dans cette salle. Ouais, de belles ouvertures. C'est vraiment belles ouvertures techniques. Ouais. Tu peux passer différemment sur le bloc. T'as beau être grand, t'as beau être petit. Là, on a fait des blocs avec Océane similaires, c'était les mêmes blocs. Dans Océane, tu mesures combien? Je fais 1m57. 1m57. Avec Enzo, on faisait des blocs similaires et on passait d'une manière différente à chaque fois et c'était vraiment beau à voir. Je pouvais passer d'une manière différente et y passer d'une manière différente sans forcément faire de jeter, donc c'est ça qui et sans forcément bien. Forcer puis Sandrine a fait des beaux passages. Elle m'a dit elle est passée dans le dévers en rouge là. Très bon ressenti pour Planète. Super des planètes plan les watts. On ira peut-être voir Planète à Petit Lancy. Pas très loin. On ira les voir. Venez tester puis donnez nous votre ressenti, vous pouvez nous mettre en commentaire voilà, pour nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis à leur rendre visite à l'occasion. Ouais, puis partagez à fond la vidéo, ça fait plaisir, c'est cool. Nous on vous laisse et puis on vous donne rendez-vous à la prochaine. Arrivipa. Ciao l'équipe.